marche avec le tumulus, qu'on voit bien de là. On est passé de l'autre côté. Alors, objectif pour l'instant, hein, je sais pas si je la vois, une cabane qui doit se trouver par là, et après un col qui se trouve par là-bas, et on plonge vers le Fugeray. Allez, c'est parti pour la... Bah, pas vraiment la descente. On va chercher un coin à l'abri, un petit caillou, parce que ça commence à faire long là, plus de 4 heures qu'on marche, roule. Le but du jeu, le chemin, la vraie descente commence au petit col qu'il y a là-bas. Et pour y arriver, on passe par la cabane qui est là, dans le champ, par là. On l'aperçoit encore là. Alors, en principe, derrière cette crête, la vraie descente. Ça n'arrête pas de... monter descendre depuis tout à l'heure. En principe, sinon super paysage ici. Et la pointe où on était tout à l'heure, là en bas, par là, voilà. Et tout ce qu'on a fait pour venir jusqu'à là, toute la crête. Bon allez, j'y vais aussi. Ben, là-haut, il porte le vélo. Alors, on sort encore d'un vallon, nouveau paysage. Je pense que maintenant, on va attaquer la descente. Le Rhin est en face. Et Robert dans le passage. Et puis, ça monte encore. On va faire une petite pause dans le champ. On va attaquer la descente là, normalement. Je pense que c'est la bonne, c'est par là. 6h10 qu'on est parti et 5h de roulage. Et Jacques il en peut plus, il dort. C'est hard, hein. Couradour, là. Alors on trouve un petit chemin là, dans ces sous-bois là. Tout humide avec des vieilles bâtisses tout en ruine. C'est particulier et très fatigant comme chemin. Jacques qui passe d'un endroit encore superbe. Ça fait rien, il est joli, même si on meurt de soif comme d'habitude. Ah, ça se coud, hein. Ça passe l'épingle, hein. Ça se coud, moi non plus je suis fatigué là. Oula. Je vais me gaufrer. Et un peu de trial pour Jacques. Tu es passé, gros caillou? À droite, comme tu veux. À droite, je suis passé, ouais. J'ai entendu à droite, je suis passé à droite. Super ce chemin, mais c'est fatigant, hein, tout en trial. Ça y est, arrivé au Fugeray, à la fontaine surtout, c'est ce qui nous manquait. Eh ben, c'était dur la descente. On mange un petit bout, puis on rentre par la route, puis encore la colle, la mitaine.
centaines de kilomètres.